C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver encore aujourd'hui pour le point de presse donc concernant le Conseil des ministres du jour. Un Conseil des ministres qui s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 10 août 2022 en sa séance ordinaire de 9h à 13h42 sous la présidence donc de son Excellence Monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Avant de débuter ce Conseil, le Conseil s'est tenu debout pour une minute de silence suite à l'incident survenu hier et où nous avons perdu des soldats. Un incident qui n'est pas dû à une attaque, mais qui est dû aux risques liés au métier, notamment des routes criblées donc d'engins explosifs, ce qui montre encore une fois la cruauté de ceux qui nous attaquent, de ces terroristes qui minent nos routes et surtout qui font des victimes au quotidien. Nous sommes donc interpellés à renforcer notre cohésion, notre unité pour récupérer l'intégrité de notre territoire et à nous concentrer donc sur l'essentiel. Également, le Conseil a été informé que conformément donc aux décisions du Conseil supérieur de défense nationale, l'armée toujours dans sa dynamique de monter en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre donc de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. Donc il y aura dans les semaines, dans les jours ou dans les mois à venir la création donc de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation ou la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'économie, des finances et de la prospective d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre également du ministère du transport, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, un décret portant donc fixation des conditions d'établissement, de délivrance, de validité des permis de conduire au Burkina Faso. L'adoption donc de ce décret va permettre de disposer de textes réglementaires fixant donc les conditions d'établissement, de délivrance et de validité donc des permis de conduire au Burkina, conformément aux dispositions des articles 20, 21, 25, 31 et 38 de la loi numéro 005-2018 AN du 19 avril 2018 portant fixation des règles relatives à l'établissement de la délivrance donc, et de la validité des permis de conduire au Burkina Faso. J'ai amené avec moi aujourd'hui le ministre de l'Urbanisme. Comme vous le savez, la question du foncier au Burkina est une question assez chrysogène qui a fait couler beaucoup de larmes dans notre pays. Et le ministre donc, de l'Urbanisme est là pour nous annoncer d'abord une activité qui se tiendra à Kaya dès le samedi, mais également nous dire les grandes réformes et surtout les grandes perspectives à venir dans le secteur de l'urbanisme au Burkina Faso. Monsieur le ministre de l'Urbanisme. Et nous avons porté à la connaissance du Conseil des ministres de ce matin l'organisation de la cérémonie de remise officielle d'infrastructures communautaires que le ministère de l'Habitat, avec ses partenaires, notamment l'ONU Habitat, ont pu réaliser au niveau donc des villes d'accueil des déplacés internes, notamment Kaya, Touguri, Dori et Kongoussi. Il a été réalisé donc dans ces quatre localités des infrastructures scolaires, des dispensaires, des maternités, des centres de maternité et également des infrastructures communautaires également pour les questions donc des latrines. Et il faut dire également que cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures aux bénéficiaires serait également accompagnée de la pose de la première pierre de construction des cités communales dont nous avons au programme 100
logements au niveau de Kaya, 100 logements au niveau de Tougouri, 50 logements à Dori et 57 logements à Kongoussi. Il faut dire que cette dynamique, c'est dans le cadre du programme du gouvernement, également dans le cadre du projet de résilience pour accompagner les collectivités territoriales, que nous avons en tout cas mené ces actions pour dire que c'est le début du processus d'accompagnement des villes secondaires et des villes d'accueil des déplacés internes pour leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de logement, en termes d'habitat. Et comme vous le savez très bien, il y a également la problématique donc de la mobilisation foncière, des questions donc de foncier pour mener d'autres activités agro-silvopastorales qu'il faut également intégrer dans ces différentes villes. Et le ministère est engagé avec les différents autres départements de la chaîne foncière et avec l'appui des collectivités territoriales ainsi que les acteurs du secteur privé pour réussir donc les missions du gouvernement, à savoir offrir des conditions de vie meilleures aux populations d'accueil et aux populations déplacées. Et nous avons entamé des réformes importantes. Tout le monde sait très bien que les besoins de logement est un besoin important, vital, et qu'il y a beaucoup d'acteurs, Dieu merci, qui veulent nous accompagner à travers la promotion immobilière. Mais il faut dire qu'il y a un besoin d'encadrement, de réorganisation du secteur pour permettre à ces promoteurs immobiliers-là d'accompagner le gouvernement et les populations à avoir des logements décents et éviter plutôt les situations que nous connaissons qui sont plus marquées par des litiges, des contentieux qui se multiplient et qui fragilisent un peu notre vivre ensemble. Donc nous sommes en train de nous organiser dans le cadre donc des orientations du gouvernement pour mettre en place les structures nationales ou commissions interministérielles afin d'impliquer tous les acteurs dans le processus. Le foncier est une chaîne et tous les acteurs doivent être ensemble, travailler main dans la main afin de définir les meilleures voies et moyens pour permettre de réaliser en tout cas des infrastructures, de réaliser des logements décents au profit des populations. L'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres sera rendu public dans les heures qui suivent grâce à l'aide et au support donc du service d'information du gouvernement. En attendant, je vous souhaite donc un bon après-midi. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.